C'était hier, toi, la petite fille malicieuse, espiègle et pleine de caractère. Lui, ce grand-père, ancien ingénieur informatique, curieux de tout. C'était hier, toi, la petite fille aux activités extrascolaires débordantes. Lui, le grand-père, toujours partant pour accompagner ses petits-enfants dans leur vie et leur épanouissement. C'était hier. Toi, la petite fille pleine de vie, habituelle invitée des mercredis après-midi chez papy et mamie. Lui, le grand-père, toujours prêt à abandonner la quiétude de ses propres activités pour l'univers plus dynamique et animé de ta compagnie. C'était hier. Toi, la petite fille impatiente de découvrir le monde. Lui, le grand-père, s'improvisant, guide touristique le temps de nos vacances estivales en Crète, en Corse ou en Italie. C'est aujourd'hui. Toi, la petite fille, devenue brillante étudiante et jeune fille épanouie. Lui, le grand-père, affaibli aux souvenirs éphémères. C'est aujourd'hui. Toi, la petite fille, pleine de maturité, portant un regard protecteur et réaliste sur ma situation d'aidante. Lui, le grand-père aux sautes d'humeur, imprévisible. C'est aujourd'hui. Toi, la petite fille attentionnée, l'amie, la confidente, et la conseillère avisée qui a su faire prendre conscience à notre entourage des difficultés que je rencontre quotidiennement. Moi, la grand-mère, devenue aidante familiale aux repères perturbés. C'est aujourd'hui. Toi, la petite fille, partenaire des après-midi détente et week-end de répit. Lui, le grand-père affectueux, plongé dans le déni. Moi, la grand-mère qui, grâce à toi et au soutien précieux que m'apporte France Alzheimer, continue de faire face. Entre hier et aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer.